Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance pour le mois d'avril qui vient vers nous, ce grand mois en plein printemps. Donc, qu'est-ce qui vient vers vous en ce mois d'avril? Est-ce que vous serez touché par les naissances, par les renaissances, par la sève qui monte dans les arbres, par ce renouveau qui nous entoure de tous côtés? Est-ce que vous aurez cette énergie-là? Qu'est-ce qui vient vers vous en ce mois d'avril? Nous allons le voir maintenant. Alors, nous allons voir quelle sera votre toile de fond, l'énergie principale qui va vous guider, qui va vous accompagner, qui va être au fond de vous pendant tout ce mois d'avril. Et nous avons le Battleur. Alors, le Battleur, arcane 1 du tarot de Marseille, évidemment, vous êtes donc à la veille d'une nouvelle étape, d'une nouvelle route. C'est extraordinaire. Alors, le Battleur, il faut quand même en parler un petit peu plus. Le Battleur, on le regarde, on voit qu'il a un pied encore tourné vers le passé, un pied déjà tourné vers l'avenir. Son regard est encore tourné vers le passé, mais la main qui porte le bâton, c'est-à-dire le plus, le côté matériel des choses, est déjà tourné vers l'avenir. Alors le Battleur, sur sa table, il a tout. Il a les deniers, il a les coupes, il a les épées, et dans sa main, le bâton. En fait, le Battleur va se servir de toute l'expérience qu'il a déjà dans sa besace, qu'il a avec lui, mais il va réorganiser autrement. En réalité, le Battleur, c'est celui qui passe d'une fin d'étape à une nouvelle étape de vie. C'est ce fameux passage entre les deux. Et là, on est donc à la veille d'une nouvelle étape, de quelque chose de nouveau, d'un recommencement. Et oui, on est bien là-dedans. Alors, on va rentrer dans le détail. Nous allons voir pour vous. Alors, nous avons deux arcanes majeures. Les amoureux. Alors attention, les amoureux, c'est une carte qui porte mal son nom, je le dis, je le redis, et tous les tarologues vous le diront toujours. Les amoureux, en fait, c'est une carte qui marque un choix de vie. C'est le choix de vie. Soit je vais dans une voie, soit je vais dans une autre. Et on l'appelle les amoureux, ça remonte vraiment à très loin. Moi, j'avais vraiment cherché, j'avais pas vraiment trouvé l'explication. On appelle ça parce qu'avant, le vrai choix des hommes, hein, le tarot, il est déjà aussi un peu avec, parfois, heureusement pas toujours, grâce aux femmes, à l'impératrice, à la papesse, mais parfois il y a une petite dominante masculine, hein, ils peuvent jamais trop s'en empêcher. Donc si vous voulez, les amoureux indiquaient avant, est-ce que je choisis la femme que je désire, avec qui je vais avoir une activité sexuelle magnifique et tout intense, ou est-ce que je choisis la femme pour me marier, qui est au foyer, qui me fait des enfants? Vous voyez, c'était en fait, ça partait de ce choix-là. Mais en fait, la carte de l'amoureux, c'est un choix de vie. Est-ce que je vais dans un sens ou est-ce que je prends l'autre sens? Et puis vous avez la lune. Alors on y reviendra tout à l'heure. Nous commençons justement par ce fameux choix de vie qui est en haut de la pyramide. Alors, les amoureux, qu'est-ce qu'ils indiquent? Eh bien, ils indiquent, amis Gémeaux, que pendant ce mois d'avril, vous allez effectivement faire un choix. Disons qu'à la fin du mois, vous serez à la veille d'un choix. Et on l'a vu, effectivement, vous prendrez à partir de là une nouvelle route. Mais il y en aura eu plusieurs qui auront pu se présenter, qui pourront vous ouvrir les bras, vous attirer, vous appeler. Eh bien, vous aurez un choix à faire et vous le ferez. Alors, nous commençons avec le 7 de coupe qui est vraiment sur vous. Ce 7 de coupe, c'est toujours une très belle carte car ce que vous voyez, c'est 7 coupes, donc relationnel, amour, émotion. Mais c'est surtout qu'elles sont toutes droites et elles sont toutes différentes. Et alors vraiment différentes. Il y a dans chaque coupe un objet,
quelque chose qui est tout à fait différent. Ça, ça veut dire une grande abondance, une grande victoire relationnelle. Donc, on nous dit qu'en ce mois d'avril, ce qui est certain, c'est que vous aurez un relationnel très porteur et que ça vous aidera beaucoup. C'est vrai que vous êtes le champion de la communication, amis Gémeaux. Mercure étant votre planète, planète de la communication, fluide. C'est vrai que là, vraiment, on est dedans, on est dans un relationnel porté. Ce 6 d'épée, qui n'est pas facile comme carte, et le 9 de pentacle. Alors, le 6 d'épée, là encore, nous parle de choix. Un choix bagarre. Vous voyez que ce choix ne sera pas si simple que ça. Il va falloir couper, il va falloir trancher, il va falloir, c'est le cas de dire, faire des choix. Et vous savez très bien que quand on fait des choix, il y a des choses qu'on laisse de côté, forcément. Alors que le 9 de pentacle nous parle d'abondance. Alors, il est évident que là, avec ces deux cartes, vous aurez des choix à faire, mais vous privilégierez le côté abondance pour augmenter. Alors, ça ne veut pas forcément dire en argent, bien sûr, ni en bien, mais voilà, vous serez sur une idée d'augmenter vos relations, vos amours, l'argent aussi, oui. Donc, on est sur une montée. Hein. Le 5 de baguette et le prince de pentacle. Alors, là encore, les pentacles, c'est l'abondance. Le prince, comme tous les princes en tarologie, sont toujours des personnages téméraires et très courageux. Un prince, c'est celui qui part au combat, mais pour défendre la veuve et l'orphelin, selon l'expression que nous connaissons. Le prince n'attaque pas pour rien, hein, il ne le fait pas. Les rois, oui, les rois peuvent vouloir un autre territoire, etc. Ils enclenchent des guerres. Les princes sont des combattants, mais qui vont combattre honnêtement. Donc, ils ne déclenchent jamais des guerres, mais évidemment, ils mènent des armées pour leur maître, pour leur roi, etc. Mais toujours de façon franche, de façon honnête et droit dans leur bottes. Donc on voit qu'il y a ici cette idée de droiture, cette idée d'un combat, mais pas vraiment un combat, on est dans des baguettes. Mais le 5 de baguette marque effectivement une espèce de déséquilibre. Donc soit vous êtes sur des surchoix, c'est-à-dire que vous avez trop d'abondance de choses qui sont autour de vous, trop de gens, trop de projets. Et il va falloir effectivement choisir, tout simplement. Mais vous choisirez ce qui vous emmène vers l'abondance, mais de façon honnête. C'est-à-dire ce qui va vous faire grandir. La princesse d'épée qui est ici, les princesses, alors, les princes, c'est toujours la droiture, et les princesses, c'est la douceur. Les princesses, c'est l'innocence. Alors cette princesse, mais qui est quand même une princesse d'épée, donc se défend. Et vous, vous serez dans la défense, dans le sens où vous n'attaquez pas, vous n'êtes pas pour enlever aux autres des choses, mais par contre, vous allez être amené à défendre votre beefsteak, comme on dit, vos affaires, vos amours. Donc, il y a quand même une idée de défense dans tout ça. Le 4 de baguette, donc, nous parle de positionnement, de stature fidèle, de position très bien ancrée, qui fait suite au 5 de baguette. Là, on a des pentacles, là, on a des baguettes. Donc, le 5 de baguette nous dit, le 4, pardon, de baguette, nous dit que vous allez trouver un positionnement bien stable. Et la lune, évidemment, nous dit que pour l'instant, vous êtes encore un peu dans la nuit. La lune, c'est quand même si elle éclaire la nuit, mais la lune, elle sort la nuit, donc on est bien la nuit. Mais que ça va s'éclaircir grâce à votre façon de vous défendre, c'est-à-dire en fait de choisir, de trancher. Alors ce n'est pas comme la reine d'épée qui tranche d'un coup, ça peut faire très mal. Non, la princesse d'épée, elle tranche, mais dans la douceur, il n'y a pas de vraie douleur. Elle fait des choix parce que les choix sont à faire. Alors on voit bien qu'on est quand même dans quelque chose qui est soft, qui est correct, qui est honnête. Même si il y a quand même des idées de défendre son morceau, de défendre sa vie, de défendre ses relations, de défendre son boulot, de défendre son amour, mais on est quand même dans quelque chose qui vous emmène à faire des choix. On voit bien qu'il y a une surabondance de certaines choses. Je vous dis, il y a des moments dans la vie où c'est presque un peu un burn-out, où on arrive avec trop de choses, hein, et en fait, on est obligé de choisir. Si on ne le fait pas, ça casse.
Donc, mais on sent que vous prenez cette voie, le battleur qui vous dit, viens, tu peux y aller, il y a vraiment quelque chose qui t'attend et il y a un choix à faire. Alors, que vous dit la Notre-Dame universelle, c'est-à-dire notre mère universelle? Qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle peut vous donner un conseil, elle peut vous donner une attitude à avoir, eh bien, décidément, à privilégier. Allez, on va voir ça. Notre-Dame de l'Étoile Naissante. On l'a déjà eu, Notre-Dame de l'Étoile Naissante. Alors, elle s'explique tout à fait, parce que quand on est au début d'une nouvelle étape, on est au début d'une naissance. On est bien dans ce mois d'avril. Vous êtes plein pot dans ce mois qui parle de renaissance, de renouveau, de vraiment. Et l'étoile, ben oui, l'étoile, c'est l'éclaircie. Hein, je vous l'ai dit, après la lune, le soleil. Donc, vous êtes bien sur cette étape où vous allez vers une voie. Vous naissez à une nouvelle voie, l'étoile, vous allez briller dedans. Il n'y a aucun problème, vous êtes impeccable dans vos affaires, dans votre énergie. Nous allons maintenant focaliser, zoomer sur rien que le relationnel. Alors, relationnel, sentimental, amitié, amour, on va être dans ces sphères-là maintenant. Et j'en profite pour vous parler de mes consultations privées que je propose, vous le savez. Donc, soit en présentiel dans mon cabinet de Sanary-sur-Mer dans le Var, soit par téléphone ou bien même en visio, comme ici, par caméra WhatsApp, où vous voyez les tirages que je vous établis au fur et à mesure. Alors, ces consultations, appelez-moi, je vous donnerai tous les renseignements. Ce sont des consultations qui mêlent à la fois un travail que j'effectue la veille en astrologie, en tant qu'astrologue. Et le lendemain, évidemment, on se sert de votre ciel natal, mais aussi des oracles, comme je fais maintenant. Appelez-moi, l'appel sur mon téléphone est gratuit, je vous donnerai tous les renseignements. Et voilà. Allez, on prend le côté relationnel pour vous, amis Gémeaux. Qu'est-ce que nous avons que vous envoie l'oracle en dynamique, en grande énergie, donc du mois? Ben voilà, eh ben on y est, la résurrection, ben oui, bien sûr, c'est normal. Avouez quand même que ça tombe bien, quelle belle carte. La résurrection. Alors là, c'est plus qu'une nouvelle étape. C'est plus qu'être à la veille d'une nouvelle étape. Là, vous ressuscitez. Alors, à quoi ressuscitez-vous? À vous de voir. Mais il y a une résurrection. À l'amour dans un couple qui est déjà là. À une nouvelle rencontre, pour vous c'est une véritable résurrection, à un ex, une ex qui revient vers vous, et c'est une résurrection. Bref, la résurrection, c'est on sort d'un état de mort, d'un état de veille, pour aller vers la lumière, vers le bonheur. Voilà, tout simplement. Allez, on va voir dans le détail quelle est cette énergie de résurrection pour vous, et donc de nouvelle étape. Alors, nous commençons par recouvrir le 7 de coupe avec la carte de la boussole. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte de la boussole? C'est une carte importante parce que c'est une carte de 4 couleurs, 4 as comme j'aime bien à le dire. Cette carte de la boussole nous dit que vous allez prendre une direction. On l'a dit, hein? Donc vous allez prendre une direction en relationnel. Quelque chose va se passer qui va vous faire prendre une nouvelle direction. Des messages et un obstacle à passer. Alors, cette histoire de message, oui, vous êtes dans la communication, on l'a vu tout à l'heure, hein, que vous êtes le champion de la communication et que la communication va vraiment avoir de l'importance pour vous. Donc, est-ce que vous connaissez quelqu'un sur un site? Ça n'est pas impossible, vous faites la connaissance de quelqu'un comme ça. Est-ce que vous connaissez quelqu'un, mais vous êtes en ce moment éloigné par le travail et le choix sera certainement de vous rapprocher de cette personne. Bref, on a une idée de communication avec l'autre importante. Ça peut être aussi bien sûr un simple relationnel amical, c'est-à-dire que vous réfléchissez à faire quelque chose avec un ami, ça peut être un voyage, ça peut être un projet, ça peut être un collègue, ça peut être un associé.
il y a vraiment une idée d'une voie que l'on prend et dans laquelle, pour cela, on communique avec d'autres personnes. Des obstacles à passer, mais c'est normal, vous les passerez facilement. Le cerf est là qui vous attend pour vous montrer la voie, parce que le cerf, lui, il sait comment passer pour contourner la montagne. Bon, voilà, donc quelques obstacles, mais justement, peut-être un éloignement qui seront de toute façon contournés. Alors là, évidemment, nous avons la carte des fiançailles, de l'alliance, que ce soit en amour ou ben, avec quelqu'un, pour un projet, pour quelque chose. Et le soleil, le grand soleil sur l'abondance. Alors, on est bien, on est vraiment bien placé. On a ici, se dégage, comme les choses se mettent en place avec une énergie, une chaleur. Moi, je la ressens, cette chaleur. Elles sont bien faites, en plus, ces cartes, elles sont comme ça, bien brillantes. On ressent la chaleur. Sur la princesse d'épée, on regarde à la loupe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'il y a des choses à faire. Il y a des choses à voir. Il faut pas, on n'est pas chez les bisounours. Oh, je suis sur un nuage, tout va bien. Pas du tout. Vous aurez des choses à régler. Et attention, celle-là aussi, c'est une carte à 4 couleurs, 4 races. Il n'y en a que 8 dans le jeu. Hein, vous en avez déjà 2. Alors, vous voyez que hein, de ces cartes-là, donc il n'y en a pas beaucoup par rapport aux autres. 2 qui sortent déjà, c'est pas mal. Donc, il faudra zoomer, c'est le cas de le dire, il faudra que vous regardiez le détail des choses. Alors, le détail de quoi? Si vous avez des contrats à signer avec des gens, il faudra regarder les petites lignes. Si vous vous engagez dans une voie avec quelqu'un, il faudra quand même bien regarder, même si on voit que c'est positif, mais quand même, à qui vous avez affaire et comment vous allez mettre les choses en place. Parce qu'il peut y avoir aussi des timings. Hein. Alors, sur la stabilité, encore une 4, 4 as, 4 couleurs, je n'ai rien dit. Hein. Quelle énergie! On a le puits où on puise à l'intérieur de soi la force pour continuer. Donc, c'est pas si simple. Peut-être que vous avez pas... Vous sentez qu'il faut vous poser et vous posez, vous aimez bien votre liberté, mais pourtant, regardez, quel grand bonheur. La carte du bonheur de cet oracle. Ça, c'est beau, ça. Et enfin, sur les amoureux, oh là 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 là, sur le choix, l'homme sérieux. Alors là, ça représente aussi bien un homme qu'une femme. C'est le côté sérieux de la relation, l'as de cœur, la tendresse, l'amour, on a tout. Donc, on est très bien placé. Il est évident qu'en ce mois d'avril, soit vous êtes avec quelqu'un, mais il y a quelques obstacles. Peut-être n'habitez-vous pas encore ensemble et vous allez vous mettre ensemble. Si vous êtes déjà ensemble, eh bien, il est tout à fait possible que vous alliez vous, comment dire, vous fassiez un pas de plus. Des fiançailles, un mariage, un pax, c'est ça, vous paxez. Autre chose, enfin, je ne sais pas, ou habiter ensemble, ce n'était peut-être pas encore le cas. Et si vous êtes seul, bon, ben oui, hein, si vous êtes seul, on a une rencontre, hein, une véritable qui vous permet de ressusciter et d'aller vers le bonheur. Alors, voyons la carte de conclusion que vous envoie l'oracle de l'amour, le grand oracle de l'amour pour vous. Et nous avons la fidélité. Ah, c'est beau la fidélité. Mais on l'avait senti parce qu'avec ici ce 4 de baguette et aller puiser au fond de soi, et je vous l'ai dit, faites bien attention quand même à qui vous avez affaire, mais parce que vous, ça vous pose problème de vous engager comme ça sur la durée. Bon, il y en a, ils diraient, ouais, chouette, ça y est, enfin, couple sérieux, quelque chose de sérieux. Ben vous, pas forcément, amis Gémeaux, avec votre dualité. Mais là, quand même, attention, de temps en temps dans la vie, la fidélité, le vrai amour, ça fait du bien. Et oui, hein, quand même, c'est un peu le but. Voilà, amis Gémeaux, vraiment, là, vous aussi, vous êtes dans cette dynamique de naissance et de renaissance, de nouvelles routes, de nouveaux choix à faire. Je vous le souhaite vraiment et je vous souhaite de ne pas vous tromper tant qu'à faire. Et je vous dis... À bientôt.